Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On commençait à avoir des doutes sur la fidélité de Giovanni. Mais avant tout, on va essayer d'améliorer notre bateau. C'est parti! Donc, on était arrivé pile poil chez Albert avant la nuit. Donc, on va pouvoir tout simplement aller le voir et peut-être s'acheter une ou deux améliorations de bateau. Ho ho! Ma mère avait un poulailler sur la ferme de son enfance. Oh, ma mère! Elle n'était pas fâchée quand je faisais des mauvais coups. Elle était déçue. Je suppose que j'avais le coco fêlé! Ha 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 ha! Le coco fêlé. Je l'ai pas celle-là. Alors, ici. On peut améliorer. Donc, une forge, une stalle à vache et un cellier. On va pouvoir faire ces bâtiments-là. Ici, il nous faut 30 000. On n'a que 22 000, malheureusement. Et pour ici, il me manque quelques lingots de zinc. Je pense qu'on va remonter et aller en chercher. On va aller chercher des lingots de zinc. On devrait pouvoir en faire. Il me semble qu'on a ce qu'il faut. Donc ici, on expérimentait avec l'huile. Donc je mets de l'huile et à mon avis on va pouvoir faire un peu de tout. Du porc frit, du poulet frit et du bœuf frit. J'ai pas spécialement fait gaffe à comment ça se goupillerait. Donc la forge, on va mettre du zinc. Ah, il nous en faut 5, donc il faut plus rendement. On va prendre à 6. On fait chauffer tranquillement. Voilà. Alors on est dans le vert. Dernier petit coup. Et c'est parfait. Voilà. On devrait avoir tout ce qu'il faut. On va pouvoir retourner voir Albert et améliorer un peu notre bateau pour qu'il aille plus vite. Ce qui sera toujours ça de gagner. Bienvenue à nouveau au chantier naval, Stella. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? On a besoin du bouquet coral, des planches de frêne, des lingots de zinc et de la roche de comète. C'est parfait. On a clairement pas ce qu'il faut pour la suite. Et encore moins pour la suite, après la suite. Et ici, du coup, on a débloqué tous les bâtiments. Donc on pourra peut-être faire des bâtiments. On va voir ce qu'on peut trouver. On va aller voir ça tout de suite. Ici c'est cuit. Des schnitzels. Donc de l'huile de tournesol. J'avais mis du porc. On sait qu'avec du poulet ça donne du poulet frit. Ça va nous permettre de débloquer pas mal de recettes. Alors allons voir. Pour construire, donc on a des nouveaux bâtiments. Je pourrais faire une stalle à vache. Il me faut le fameux permis bovin pour avoir la stalle à vache. Et je sais pas du tout si le permis bovin permet également d'avoir des vaches. Ce qui serait dommage qu'il faille deux permis bovins pour ça. Mais alors, poutre de silice, poutre de comète, lingot de pulsar, planche de frêne, c'est faisable. Mais il faut un petit peu de matériaux. Ectoplasme en bouteille, ça me semble un peu plus compromis.
je la ferai bien, là, c'est à la vache, en fait. En espérant trouver un autre permis bovin. De toute façon, on avait avec les moutons, hein. Si on réussit à avoir une vache et qu'elle nous mange tout notre potager, l'intérêt reste limité. Donc, on va faire un stall à vache. Ok, donc c'est assez bas, cette chose. Bon, je vais la mettre où je peux la mettre, hein, comme d'habitude. Au niveau des bâtiments, pour le palais de Bruce et Mickey, il manque des planches de frêne. Ça doit pouvoir se résoudre sans aucun souci. On va aller faire ça, des planches de frêne. Alors, les planches, du coup. Les planches, ça va là. Peut-être falloir encore réorganiser, mais c'est pas grave. Ah bon, on en a plein. On en a plein. Allez, je vais en faire plein, du coup. Moi, ça, ce que ça te fait. On a les petites pop-up qui s'affichent. On a du grain d'un côté, la nourriture de l'autre. Bah, ça attendra que j'ai fini mes 17 planches. J'espère que ça réussira à attendre que j'ai fini mes 17 planches. Hein. Puisque je sais que la nourriture brûlée, ça existe. Je me dis qu'il doit bien y avoir moyen d'en réussir à le brûler. La cuisine. Ah, et en plus c'est le matin, c'est parfait. Force de faire des trucs. C'était peut-être un petit peu trop. 20 planches. Voilà, je récupère les planches de frêne, c'est pas grave. On va tout de suite éviter de cramer la nourriture. De la fondue au bœuf. Visiblement, j'avais déjà la recette. Je peux faire aussi avec du poisson. Je vais aller sonner cette cloche. On est déjà trop tard. On est déjà trop tard. On va choisir une destination du coup. Et moi je sais qu'il me faut un peu de gelée scintillante. Sachant que là, on a besoin de quoi? On a besoin d'aller à Hawkesbury. Hawkesbury et à Hummingberg. Donc Hawkesbury et Hummingberg, de mémoire, ils sont toujours en barre. Hein. Hawkesbury, Hummingberg, Edgeboard Lane, Humbertown, Hawkesbury, on va pouvoir aller là, et on a dit quoi pour l'autre? On a dit quoi pour l'autre? On a dit... Choubiti tête de linotte, Hummingberg. Ah, Hummingberg, c'est pas là. Hummingberg, c'est plutôt en haut, je crois. Hummingberg, c'est là. Ah, donc on pourrait se dire qu'on va sur ces caisses. Attends, je vais planifier notre trajet avec des marqueurs ici, puis là, puis là. Le même trajet, mais comme ça on n'a pas à le spécifier d'un coup. Tout va bien. Et du coup, j'étais presque en train d'oublier, j'ai construit mes planches de chêne pas pour n'importe quelle raison. On va aller s'en occuper. Je vais aussi aller récolter le grain et la nourriture. Des bâtonnets de poisson, c'est parfait. Les bâtonnets de poisson sont faits avec du poisson, j'imagine. Est-ce qu'ils sont aussi faits avec des bâtonnets céphalopodes, par exemple?
Bâtonnet de poisson. Du poisson et du gras. Du coup, je peux peut-être dire je mets du gras. Et d'abord, on va faire ça, histoire de pas louper les caisses. Vu qu'on a défini plusieurs destinations, il va pas s'arrêter. Donc... petit peu de carotte. Je voulais attraper là. Voilà. Je l'ai pas eu. Bien joué. Voilà. Et je vois pas d'autre endroit où plonger. Il a des planches. Il a des planches, c'est parfait. Il nous a coupé des planches. On va en profiter. Bien sûr qu'on va en profiter. Alors, on était ici à dire on met du gras. Avec par exemple un céphalopode. On était à dire également qu'on allait récupérer le grain ici. Reste-t-il de la farine? Je vais mettre du maïs, j'en ai pas mal. On a Bruce et Mickey, mais ils s'en vont. Tout va bien. Ici, je peux remettre des grains. Je sais pas si mettre des grains de thé, c'est une bonne idée, mais je vais mettre des grains de thé parce que j'en ai plein. Et ici, j'ai pas ce qu'il faut, mais j'ai bien un deuxième poussin. Tout va bien. On va pouvoir activer les ventes, c'est l'objectif. Avoir de la gelée scintillante. Et après, on pourra, du coup, eh bien, gérer nos constructions de bâtiments. Donc, bonne nouvelle, hein, il nous en fallait, il me semble, au moins deux. De la gelée, on vient d'en avoir deux. On va en profiter aussi pour avoir de la thune. Parce que la thune, on en a besoin. De la gelée, c'est parfait. Elle va être en haut, elle va être en bas, elle va être un peu plus en haut, a priori. Une belle gelée. Oh, deux belles gelées côte à côte. Oh. On essaie d'avoir un petit peu d'argent. Pas pouvoir rattraper la gelée. Je peux effectivement pas pouvoir rattraper la gelée. On va pouvoir par contre se faire un peu d'argent. Quitte à tomber dans l'eau. C'est parfait. Ok, donc ça nous donne effectivement également des bâtonnets de poisson. J'imagine que huile plus patate, ça va me donner des frites. Faudrait que je vérifie, j'ai la recette hein, pour les frites. J'ai cru voir une petite pop-up, mais je la vois plus. Ah si, le blé là-bas. Le blé là-bas. Un petit peu de carottes. Enfin, pas qu'on oublie de les nourrir, hein. Nos esprits, si on oublie de les nourrir, ils deviennent un peu plus tristes.
profiter d'avoir ici Mickey. Schnitzel. Bouffe gratuite, enfin. Et il veut pas de câlin. Tout va bien. De la farine, c'est nickel. Et du coup, on va pouvoir s'occuper de nos fabrications. C'était surtout ça l'objectif. Alors, on va pouvoir construire le bercail de Bruce et Mickey. Oh oui, du coup j'étais un peu généreuse, ça fait 63 planches de frêne que j'ai construites. Et ben on a construit 63. Oh putain. Oh pinaise. Je pense qu'effectivement il faudra que je réorganise le bateau parce que là c'est un peu grand. Donc ça c'est nickel. Et j'avais des choses à améliorer. Bien évidemment, je me souviens plus de quoi. Lingot de pulsar, poudre de carbone, poudre de silice. Je devrais pouvoir obtenir tout ça. Poudre de comète, j'en ai pas assez. C'était le jardin, je crois. Ah, il me manque une planche d'érable. Sérieux. Je vais faire une planche d'érable. Tout de suite. Et je crois que j'ai pas fait la tarte aux pêches non plus. Du sauté de légumes, ça c'est parfait. Donc on met de la farine. Je vais mettre de la farine de blé et je vais mettre une pêche. Pêche, pêche, pêche. On va faire une planche de frêne. Frêne. Es-tu sûr, Chobiti? Est-ce que c'est ce qu'on vient de faire en 40 millions d'exemplaires, le frêne? Es-tu sûr, Chobiti? Oui, le frêne, c'est ce que t'as tout plein. Il ne faudrait pas plutôt de l'érable? Ou du chêne? Et du coup, je vais faire aussi du chêne. On en a plus beaucoup du chêne, hein. Faudra aller en chercher. Ça y est, on en a plus. Donc on a dit qu'on pouvait améliorer le jardin. Ici c'est bon. Il me fallait, du coup, il me faudra ça. L'amélioration du concasseur. Niveau du mouton, on n'a pas le plan. La cuisine. Bon, le verger, on n'a pas les plans. La forge, on est bon. Le poulailler, il nous faut du lingot de zinc et de l'ectoplasme en bouteille. Ici, on n'a pas le plan. Ici, c'est bon. Ici, ah, on va pouvoir faire des choses chez Bruce et Mickey. On va leur parler pour ça, hein, bien évidemment. Là, c'est à la vache. Eh ben, on verra ce qu'on peut en faire. On est plutôt pas mal. On va donc pouvoir aller voir Bruce et Mickey avant qu'ils aillent s'endormir. À
j'ai une vache dans ma stalle à vache. Ok, j'ai une vache dans ma stalle à vache. Mon dieu! Là, tu parles. Tu perds pas de temps. Il te faut, hein. Il faut te donner un surnom. Mickey, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Je n'aime pas ça. Déjà pris. Fantôme terreur? C'est mauvais. Donne-moi une minute. On récupère le grain pendant qu'ils réfléchissent. Ici, je peux récupérer un œuf. Et j'ai encore de la place pour transformer mes œufs en poulettes. On voit, j'ai 6 emplacements. J'ai un poussin, donc je vais. Avec un poussin supplémentaire, on va arriver à 4. 2 poulettes plus. Et comment ça marche, la vache? Bonjour, la vache. Je peux te nourrir. Je peux genre te donner du thé? Sérieux? Je vais faire comme les moutons, hein. Je vais te donner des cerises, j'en ai 3 millions. Et on peut la traire. Magie. Magie. On a droit 3 laits. C'est merveilleux. Alors j'ai vu que ça faisait ding ding. C'est ma... J'ai de la nourriture qui est prête, c'est ça que vous me dites? C'est ça que vous me dites. Du cobbler aux pêches. Ça a l'air bien bon. On va pouvoir faire des choses avec du lait. C'est merveilleux. Sachant qu'on a aussi les bleuets. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire. Bleuets au sucre. Ça va me donner des fruits pochés, un truc du genre. Ah, des bonbons. Oui, bien évidemment, des bonbons. On en avait déjà fait. Alors, avec notre lait... Normalement, on a déjà le café sucré, le café... Ah, ils sont... Thé sucré. Tasse de thé. Café sucré, café latte. Café noir. Donc, j'ai pas thé au lait. Voilà un petit thé au lait. Thé anglais, plus précisément. Eh ben, on se dit pour du thé anglais avec mon lait. À part ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des choses avec du maïs, avec de la farine. Je peux mettre du lait avec du lait. Oui, je peux remettre du lait, mais je peux peut-être juste faire du lait tout seul. Si je fais du lait tout seul, ça fait quoi? J'en oublie souvent hein, de faire les ingrédients tout seul. Hein. Un lait chaud. Voilà, un lait chaud, c'est fait. Ce qui veut dire que peut-être je peux mettre du gras avec du gras. Ça va être gâché, je sens que ça va être gâché. Si je mets du gras tout seul, je sens que ça va être gâché. On récolte de la soie. On va pouvoir filer cette soie, on l'oublie pas. Je vais retourner faire de l'huile d'olive, je pense qu'on va en avoir besoin. Et surtout, on va pouvoir aller à Hummingberg, puisque c'est là qu'on est. Et du coup, j'ai absolument nourri personne aujourd'hui. Tant pis pour moi, tant pis pour eux. Il faudra les nourrir mieux demain. Surtout, tant pis pour eux, en fait, hein, parce que moi... On va pouvoir leur faire un câlin, ça devrait aider un peu.
Si bon, c'est pas magique hein, les câlins, mais... Les moutons aussi, on n'a pas fait. Moutons. Ils sont morts de faim, nos moutons. Et donc, je vous disais dans un précédent épisode qu'on pouvait s'amuser à collecter tous les moutons du monde. Hein. Mais vous voyez déjà, avec 3, on croule déjà sous la laine. Donc, je m'amuserai pas dans cette partie à attraper tous les moutons. Et alors faire un corral à chacun, ça coûte très cher pour un intérêt. Après, on peut toujours la vendre, la laine. L'intérêt reste quand même assez limité. Bon, alors, est-ce un échec? Je pense que c'est un échec. C'est un échec. Donc on saura, j'ai réussi à faire un échec avec notre huile, notre précieuse huile. C'était pas l'huile que je voulais. T'as utilisé notre dernier lait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre dernier lait? Ah, on peut faire du lait avec des palourdes. Je préfère pas savoir ce que ça donne. Nous, on va aller à Hummingberg, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse à Hummingberg? Trouver quelqu'un qui est habillé en noir. Ok. Sachant que on n'est pas revenu depuis longtemps et qu'on a pas mal de choses qu'on n'avait pas faites. Il me semble en tout cas. Devait nous manquer des choses. Ah, une personne habillée en noir. Quoi? Tu m'as réveillé. Je faisais une petite sieste rajeunissante. Oui, mon nom est Anthony. Je suis en effet un architecte à succès. Avec, si je puis ajouter, j'ai d'impeccables goûts. Que puis-je faire pour toi? Beverly? J'ai eu tellement de clients avec les années. Je peux pas me rappeler chacun d'eux. Et puis, j'ai bu tellement de verres aussi. Je peux pas me rappeler de chacun d'eux. Certains appréciables, d'autres détestables. C'est la vie. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais j'ai toujours cru que c'était une bonne façon de boucler une conversation. Oh, tu es encore là? Généralement, ça finit les choses assez rapidement. En tant qu'architecte de renommée mondiale, j'ai une vie incroyable. Si je m'arrêtais à chaque client, je devrais en être fou. C'est plus une question d'expérience que de personne. Un voyage, tout ça. Quoi? Tu commences à m'énerver. Ta présence et cet affreux chapeau. La Renaissance vient d'appeler et elle dit qu'ils reprennent ce chapeau. Es-tu encore là? Si tu ne pars pas, ce sera le temps de te mener en bateau. Tu sais quoi, je me souviens de Beverly, même sans nom de famille ou d'autres détails. Bravo! Stella m'a rafraîchi la mémoire. Tu mérites un cadeau! Je peux voir sa maison maintenant. Dans ma tête, vite, écris tout ça. C'était une maison incroyablement haute, très étroite, avec une horloge massive, assez bruyante pour réveiller tout le voisinage. Aussi, ça me revient, il y avait de la paille à l'intérieur, je voulais vraiment l'esprit de sa ferme. Où les humains deviennent des animaux et vice-versa. C'était un projet assez unique. Bon, alors, c'est tout ce que je me rappelle. L'esprit est un mystérieux compagnon. Bon, je vais me fermer les yeux et faire une autre petite sieste. On a donc obtenu la ferme de Beverly. On va faire un petit tour. Coucou, mon cher. Tu as la clé de Hummingberg, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, on pourrait racheter par exemple des navets, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Mais soyons sérieux, peut-être que la clé est la seule chose intéressante à acheter, 5000 pièces hein, quand même. On va le faire, c'est parti. Et nous on a un trésor qui est une figurine en céramique. Certains nous diront que ce n'est pas un trésor, mais qu'est-ce que
Tu as débarré la porte au bas des escaliers? Mais maintenant tout le monde peut monter. Je ne veux pas que ces imbéciles du bas montent ici. Et on va en profiter, voilà, pour faire ça. Hé hey, comment aimes-tu notre nouveau service? Les gens du marketing ont vraiment eu une idée de génie. Ils se sont dit, pourquoi passer tout ce temps à préparer les ingrédients d'un repas? Pourquoi ne pas tout assembler pour les clients? Nous prenons notre devise à cœur. La productivité est notre préoccupation principale. En tout cas, Bouforama n'a jamais économisé autant. Toute personne saine d'esprit ne se désinscrirait pas de notre service. Spécialement avec nos frais d'annulation exorbitants. Eh ben moi j'aimerais bien me désabonner. C'est combien les frais de désannulation? Parce que François, effectivement, vraiment que de la... Merde, on va le dire avec les mots, hein, tout simplement, depuis que Madison n'est plus là. Mais c'est effectivement 10 000 lueurs. C'est peut-être un poil cher, quand même. Alors, pour l'instant... Ok, il semblerait qu'on n'ait pas grand chose d'autre à faire. Est-ce que je veux vraiment dépenser mes 10 000 lueurs pour... pour résilier mon abonnement Bouforama? Oui, allez, on se désabonne. On va quand même y arriver à trouver... Il n'y a pas forcément d'intérêt à garder cet abonnement. On a l'air pas mal. Et du coup, on a gagné le plan de la ferme de Beverly. Ah, et en plus, Francis est là. C'est parfait. Du coup, on a fait une chaudrée de palourdes. On attendra la prochaine fournée de lait pour essayer d'autres choses. Donc Francis a des nouvelles courses. Alors déjà, je veux vendre mes cochonneries. Cette fois-ci, j'ai pas à faire attention. Il n'y a aucun risque que je vende un permis bovin sans m'en rendre compte. Puisque j'en ai plus. Je vends un petit peu de ça. Et par exemple, si je voulais vendre ma laine, que j'en ai trop, la fibre de laine c'est 25, le tissu de laine c'est 15, mais du coup on peut faire plein de tissus de laine, donc je pense que je vais aussi en faire. Alors, du pain de maïs. Pain de maïs. Comment on fait du pain de maïs? Pain de maïs. Maïs. Maïs et quoi? Parce que ça marche pas, pain de maïs. Farine de maïs? Farine de maïs toute seule? Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Des œufs miroirs, du pancake. Pancake. Elles sont intéressantes, toutes ces choses-là. Elles sont très intéressantes. J'aime me beurrer la biscotte. J'adore ces noms de quêtes, quoi. Autant au début, c'était marrant. Mais j'aime me beurrer la biscotte, je l'avais même pas vue. Chérie, j'ai réduit les poissons. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Donc ça, on a dit... On a tout. Bon, vas-y. Fil de lin, faudrait que j'en fasse. Pas super cher. Mais voilà. Ben, on va essayer de faire tout ça. Je pense que je vais peut-être cuisiner un peu en off. Parce que l'épisode commence à être long. J'ai fait du pain. Ah! Moi, je voulais du pain de maïs. Du pain, il faut... Ah! Parce que j'ai mis de la farine de blé. Bien évidemment. Eh bien, tout simplement, on va se laisser là.
Et on reprendra la suite lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!